c'est l'un des pays qui a le mieux anticipé l'épidémie. L'île de Taïwan a mis en place 124 mesures drastiques, très tôt sur son territoire, comme l'interdiction de l'arrivée de Chinois du continent, ou des quarantaines ciblées, début février. Tous les gens qui ont été en Chine, à Hong Kong et à Macao, seront mis en quarantaine à la maison pendant 14 jours. Depuis le SRAS en 2003, le territoire a développé un système de prévention d'épidémies très performant. Seulement 77 cas répertoriés sur 23 millions d'habitants. Taïwan ne fait pas partie de l'OMS et ne se prive pas de le souligner, surtout pour marquer la différence avec son voisin chinois. Taïwan n'est pas la Chine et Taïwan n'est pas une région chinoise où sévit une épidémie. Le développement y est très différent. Taïwan ne présente pas un risque élevé d'infection. Le gouvernement a également rationné les masques pour permettre à toute la population de s'équiper. Les prix sont encadrés, 15 centimes d'euros pièce. Taïwan doit principalement compter sur les importations pour les masques. Nous n'en avons pas tellement. Maintenant, au moins, il y a la garantie pour les gens d'avoir 2 masques par semaine. C'est mieux que rien. Du côté de la Corée du Sud, on a choisi la stratégie du dépistage de masse. Une tactique visiblement payante. Le pays est en passe de gagner la guerre contre le virus. Plus de 250 000 tests ont été pratiqués, comme ici, en pleine rue. Je n'ai pas à entrer en contact avec quelqu'un d'autre puisque je reste à l'intérieur de la voiture. C'est pour ça que je suis venu ici. Le test est gratuit et pratiqué sur la base du volontariat. Résultat, au plus fort de la crise, la Corée a testé 20 000 personnes par jour. Presque 20 fois plus qu'en France, notamment grâce à ses drives. Nous pouvons diagnostiquer beaucoup de gens dans un court laps de temps afin que nous puissions contrôler efficacement le coronavirus et puis nous pouvons minimiser l'infection. Si le premier patient est un cas confirmé, le deuxième patient pourrait être infecté même si cette personne a été testée négative parce qu'elle est restée à proximité pendant un certain temps. Cependant, si chacun d'entre eux reste dans leur voiture, alors il n'y a aucune chance d'infection. Plus de 8400 cas ont été recensés rapidement. Les autorités ont ainsi pu retracer les foyers épidémiques et éviter leur propagation en se basant sur le bornage des téléphones ou les caméras de vidéosurveillance. Quand Big Brother est utilisé contre le Covid-19, c'est aussi le cas dans la cité-état de Singapour, une ville ultra connectée où chaque cas suspect est traqué par les nouvelles technologies. Ensuite, cette unité spéciale retrace minutieusement les parcours de chaque contaminé, qui ils ont rencontré, où et quand. On doit expliquer très lentement, être très patient avec les personnes. Il ne faut pas se fâcher avec eux. Parce que comme vous et moi, la plupart d'entre nous ne se souviennent pas de beaucoup de choses. Notre mémoire ne travaille pas si bien. Et même s'ils intervertissent les événements, c'est aussi très bien. Il suffit de comprendre qu'ils essaient juste de vous aider dans le processus. Il ne faut pas montrer une attitude autoritaire. Singapour compte 266 cas de malades du Covid-19 et aucun décès. 114 personnes sont maintenant guéries de la maladie.